Bonsoir, bonsoir tout le monde, comment ça va ce soir? Alors, hein, aujourd'hui ça va être la fin, enfin! Ah ouais, c'est un peu chiant ça, Ariel. Pas de peau. Moi perso, je suis chaud boulette. Ça va chier des bulles carrées ce soir. Bonsoir Céleste. Eh oui, merci, mais ouais, je pense que ça va être gérable. Hein, c'est pas tellement le boss final qui va être difficile, ça va être tout ce qui est avant le boss final. Donc voilà. On va voir comment on se débrouille. Salut Héloïse! Fidèle au rendez-vous, j'ai envie de dire. Oui, bon, je sais que vous êtes venu juste pour me voir mourir, hein, pas pour voir la fin du jeu, vous pouvez l'avouer, allez. Salut Sandy! Salut Morgane, comment ça va? Je sais pas si on va péter des rondelles, on va plutôt se faire péter la rondelle, je pense. Ça y est, elle commençait avec ses pattes. Salut Joden. Salut Sol Galéo, le lion cosmique. J'adore ce pseudo. Salut Yuno. Je suis pas défaitiste, je suis réaliste. Nuance. Bah, au niveau de la sauvegarde, ici, va plus y avoir des masses de points de sauvegarde, de toute façon. Donc, j'espère que le jeu va pas être trop méchant au niveau des checkpoints. Parce que, ouais, on va avoir un gros passage où il n'y a pas de points de sauvegarde.
Et puis on attaque directement le boss final, hein, donc voilà. Je me demande même si là on vient pas de faire le dernier point de sauvegarde possible du jeu. D'où le fait que dans la salle de sauvegarde, il y avait tous les objets disponibles et tout ça, donc voilà. Et oui, vous avez le droit de marquer po-po-po quand vous voulez. non, Sandy, là, de là où on est, on peut plus vraiment faire de demi-tour vers la maison. Oui, c'est ça, oui, en fait j'ai mal lu ton commentaire, mais oui, t'avais bien compris le truc. Salut, c'est la vraie dame-dame? Ça m'étonnerait. Salut Tsuno! Pas de pause café aujourd'hui, c'est voilà, c'est en mode hardcore. J'ai juste ma bouteille d'eau à côté de moi. D'ailleurs, je vais en siroter un petit peu. Ben oui, on a du beau monde, mais il manque quand même Donald Trump, qui était là la dernière fois, et Robert Speedwagon, entre autres. On va pas tarder à lancer, hein. Je pense que tout le monde est plus ou moins là. Bah, Héloïse, je veux bien boire du thé, mais il faudrait que je me lève, que je fasse bouillir l'eau, et puis que je le fasse infuser. Et j'ai pas envie de vous laisser 10 minutes comme ça dans le vent. Voyons, je me ferai du thé après. Bah en fait Morgane c'est de l'eau avec du citron, du jus de citron dedans. Nancy fois, je sais pas, on est quand même à la fin du jeu, hein. Je suis pas très bière, je sais pas si j'en ai déjà parlé lors d'un autre stream, mais je suis pas trop alcool en général. Bon, allez, je pense que tout le monde est là. On va lancer. Alors, charge est partie. Alors, survie, survie, survie. Ouais, on était là. Voilà, et on est parti. Alors bon, vu que là on est reparti avec des temps de chargement à la con, j'ai encore pensé à vous. Alors, la dernière fois on avait ben, réussi à débloquer le Magnum. Bon, on n'a pas des masses de balles, on n'a qu'une seule balle pour le Magnum. Mais c'est pas grave. Alors, on va réorganiser tout ça parce que c'est le bordel. J'ai une grenade neurologique. Bon, on est reparti. Je vais prendre ma scie. Et on y va. Les mines de sel. Vous allez comprendre le nom de cet endroit assez vite. Alors, est-ce qu'il y a des objets cachés dans le coin? Non. Alors là, en fait, on va avoir plusieurs ennemis qui vont venir nous faire chier. J'ai plus de balles spéciales, donc à mon avis, ça va se jouer avec la scie. Mais ils sont nombreux, hein. On va peut-être essayer de les attirer en mode Dark Souls. Genre là, on va en faire venir qu'un et on va essayer de l'avoir. On va essayer de la pâter.
Voilà, il est mort. Voilà, j'ai pris le pli avec ces monstres-là. Ils sont pas si forts que ça. Il suffit d'attendre qu'ils attaquent. Et puis de les avoir avec la scie. C'est pas ma guerre, colonel. Alors. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns. Ouais. Bah déjà lui. Oh! Oh, j'avais pas vu lui. Bon, par contre, s'ils sont deux sur ma gueule, ça va pas être fun. Ouais, c'est vrai que c'est un peu rail shooter, hein, je suis d'accord avec toi. C'est plus action que les autres parties du jeu. Ouais, non, ça va pas le faire comme ça. Je vais essayer de les faire disparaître. Comme ça. Voilà. Bon, par contre, je me fais pas d'illusions. Je suppose qu'ils vont réapparaître exactement au même endroit où ils étaient. Donc, quoique. Non, ça va. Alors. Je vais essayer de run. De run à l'intérieur. Allez, 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 allez. Et c'est bon, on a réussi. Poulet. Ouh. Salut, Nyan Wall. Mais ça va, t'es pas très en retard, on vient juste de commencer. Eh ouais, ça c'est de la strat de speedrunner slash de gros lâche. Il faut être un gros lâche pour survivre à ce jeu en survival. Salut Okishum. Voilà, on est reparti. Alors. Bah ouais, y a pas des. En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a pas des masses de ressources là en fait. On a assez de soins, mais au niveau de munitions, on est un peu nulle part. Hein. Et c'est une zone où il y a pas mal d'ennemis qui sont évitables, hein, mais... genre là, regardez-moi ce coup. Allez, vas-y, viens. Je t'attends. Cra, il m'a va voir, hein. Ah non, ça va, je l'ai eu. C'est pas passé loin. C'est vraiment, vraiment pas passé loin. Alors, bon, vous voyez, hein, des pièges de Lucas, des ennemis de partout, pas les plus simples. Ça va pas être easy, donc c'est vraiment la zone juste avant le boss final. On se demande pas pourquoi. Ah, cool, des munitions pour le fusil à pompe. Je vais mettre ça là. Je préfère avoir le fusil à pompe sur moi. On va les charger direct. Hop. Bon, ça veut pas guérir, hein. Bon, tant pis, j'utilise un soin. C'est mieux ça que de crever la gueule ouverte. Parce que par ici, il y a des trucs à récupérer. J'ai pas l'impression. Donc je vais foncer. Parce qu'ici, c'est bourré d'ennemis. Qu'on peut éviter assez facilement. Après, voilà, c'est la première fois que je le fais en survie. Donc je suis pas sûr de comment ça va s'agencer. Mais bon. Oh non, vous allez pas m'avoir. Mais ils sont rapides, hein, c'est dingue. Ah, Seigneur, c'est le stress. J'espère que je vais pas mourir, ouais. Comme un noob super vite. Comment ça, lâche? Je voudrais vous y voir, vous. Il faut être économe de la munition. C'est surtout ça. Ah, dingue, les dégâts qu'il te fait en un coup, quoi. Bon, normalement, une fois qu'on a passé ici, ça devrait être bon. Ils doivent plus suivre. Ok, on va aller voir dans le coin s'il n'y a pas des munitions à récupérer. Ça serait cool. Parce qu'on est vraiment à court de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. Ça va pas le faire, cette situation. Alors, ici derrière, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Oh là là. Oh merde. Salut Joseph. Bah oui, en fait, je pourrais charger la balle. Voilà, ça me ferait une place de. Ça me ferait une place dans l'inventaire. Ah oui, c'est vrai, il y a peut-être un point de sauvegarde ici dans l'espèce de labo. C'est vrai, c'est pas faux. Alors ici, si je m'abuse, ça explose. Ah bah non, même pas. Ok. Donc, on va arriver dans cette espèce de labo clandestin.
et on va lire cet email. Envoyé le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen pour de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle, par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé. C'est un peu à chier. Envoyé le vendredi 4 novembre 2015 à 2h10. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. Envoyé le vendredi 1er septembre 2016 à 1h10. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Bon, là, ça met grave la puce à l'oreille. Je ne vais rien dire. Pour ceux qui n'ont pas pigé, ben, je vous laisse quand même la surprise. Mais si vous n'avez pas pigé, voilà. Vous êtes vraiment des slowpokes. Et on peut aussi se douter de qui a envoyé ces emails, hein. Salut Freemander. Alors bon voilà, ici c'est des rapports. Hein, ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E, désignés ci-après comme moisissures. Donc voilà, ça s'explique. Je vous laisse peut-être le temps de lire et tout ça. Mais en gros, c'est un document qui vient de la société qui utilisait Evie comme arme biologique. C'est une espèce de brochure hein, de comment ça fonctionne. Voilà, blablabla. Et blabla. Donc voilà, tout type de document. Pas des masses d'objets, ça c'est un peu chiant. 5 minutes après administration. Sérieux, tic-tac, blablabla. Alors, on trouve l'objet qu'on était venu chercher. Oui, c'est ça, Joseph. C'est vraiment pour dire si vous n'avez pas compris. Voilà, donc on va fabriquer la nécrotoxine. Donc l'espèce de... C'est plus ou moins le même... Le sérum que Zoé nous avait fait. Hein. On en a à nouveau un flacon. Une petite seringue. Du fluide chimique fort. Je vais le garder si jamais on trouve des herbes pour se faire des soins. Alors, des munitions de pistolet, ben, je prends au cas où. Des cartouches de fusil, c'est cool, très cool. Par contre, pas de point de sauvegarde, j'ai l'impression. À moins que... Ah si, il est là, c'est vrai. J'avais oublié. Alors, cool, un remède, une cassette. Un esthétique. Et je vais sauvegarder. Voilà, c'est bien. On a vraiment un point de sauvegarde au tout début de la zone problématique. Ce qui est cool, ça veut dire que si on crève, on va pas recommencer de trop loin. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Hein. On va vraiment se faire exploser. Alors, est-ce que j'aurais oublié peut-être. Est-ce que j'avais pas des bombes avec moi? Non, hein. C'est dommage parce que ça aurait été grave utile des bombes. Mais j'en ai plus. Merde. Bon, tant pis. Bon, on est parti. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans? Des cartouches de fusil, toujours bon à prendre. Combustible, aucun intérêt. Alors.
On est parti. À moins qu'ici il y ait encore des trucs à récupérer. Je vais aller voir derrière. Non. Bon. Alors, préparez-vous. Ah non, non, mais je suis pas du tout motivé à faire ce passage, c'est clair et net. Ça va être horrible. Horrible de chez horrible. Bon, je vais m'armer avec le fusil à pompe. Oui, chante tout ce que tu veux. Alors, normalement, ici, en facile, il y a des objets, mais en survie. Tu peux te brosser, mon vieux. Eh merde. Bon, allez. Tralala. C'est beaucoup l'attention. C'est très l'attention. Meurs, bah meurs toi-même. Bon, on va essayer de la faire en mode course. Oui, je sais qu'il y avait. Je sais qu'il y avait. Oh merde, ça part mal. Oh, ça part mal, je sais pas comment j'ai fait à éviter ce coup à la con. Mais on y arrive. Ah, mais il m'a touché. The fuck? Ok. Jusque là, on y est. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on appelle ça le passage rail shooter. Hein. Parce que c'est totalement un rail shooter. Oh là là, si on arrive du premier coup... Non, je vais rien dire parce que... Ça me porte malchance. Ah ouais, carrément. Oui, oui, bien sûr. Laisse-moi passer. Mon Dieu, on a réussi du premier coup. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment est-ce possible? Ah, mais ils sont déjà là, c'est sérieux? Oh merde, et ils sont rapides à mort. Ah non, je vais pas mourir maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Je suis bloqué par une caisse, est-ce que c'est possible ce genre de truc? Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Oh, la tension de dingue. Je vais courir. Ah cool. Ah merde, mais ils sont trop rapides. Hein. Oh, allez, soigne-toi. Non. Ah, oh, j'étais à 2 secondes de me soigner. Oh, bordel. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal, mais c'était la merde. Je sais pas comment je vais faire. C'est assez compliqué. J'ai pas vraiment les ressources qu'il me faut. Et j'ai plus de bombes. C'est surtout ça, j'ai plus de bombes. C'est ça qui est emmerdant. Parce que normalement, sur le bateau en tout cas, 2 bombes suffisaient pour les tuer. Mais là, voilà, j'en ai deux sur ma tronche. Je sais pas. Bon, on va essayer de se débrouiller. Mais bon, j'espère qu'il va. Enfin, oui, non, mais je vais sûrement être catapulté à mon dernier point de sauvegarde là, parce que j'ai pas vu d'icône de checkpoint. Non, donc voilà, on est. Oh non, 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 non. Je suis pas d'accord. Ah chier, ça va vraiment être dur. Bon allez, on est reparti. Courage, courage, courage. Allez, bon, c'est qu'il n'y a pas d'objet, on fonce. Ah, bordel. Oui, vas-y, chante ta petite chansonnette. Bah l'Albert, oui, mais l'Albert avec les munitions renforcées. Là, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, est-ce que je vais pouvoir faire demi-tour? Si je peux faire demi-tour, maintenant qu'on a un agent chimique fort, on va peut-être pouvoir se faire quelques munitions renforcées. Parce que je me souviens qu'il y avait de la poudre à canon... Il y avait de la poudre à canon au dernier point de sauvegarde. J'adore le mec qui prend le temps d'aller sauvegarder alors qu'il y a un tremblement de terre au calme. Alors, il y avait de la poudre à canon... Je pense... Non, là, c'est des psychostimulants. Mais je pense que dans la salle d'à côté... Ouais. Alors, faut que je baigne quelque chose. Bah, ça, oui, munitions, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Voilà, et on va faire des munitions renforcées. Et on en a 10, c'est pas mal. Donc ouais, au pire... Oh, je suis con. Au pire, ouais, je pense que ça marche bien avec les gros patapouf. Donc, on va se réarmer de notre shootgun. Et on est reparti. Allez. Nyan Wall qui traite les gens de vieux, mais tu sais. Je crois que je suis le plus vieux du temps. Alors, allez, on est reparti. Hop. Et on va foncer. Alors, jusque-là, la méthode du je cours et je tire fonctionne assez bien. Sauf quand je rate comme un noob. Et j'espère que oui, ils vont faire pouf les patapouf, effectivement. C'est un peu le but du truc, ne pas mourir. Hein. Voilà, cette fois on s'est pas fait toucher. Ok. Recharge. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui confondent le stream avec un site de rencontre. Voilà. Là, on va avoir les deux. Et là, le gros patapouf. Ah merde, je me suis fait avoir en un coup, je comprends pas ce qui s'est passé. Ah. Oh là là, bordel, je pense qu'on va y passer la soirée, hein. Ah. Ah merde. Oh, c'est vraiment pas cool ce qui se passe en ce moment. Je suis vraiment bloqué. Alors, à moins que... Bah ouais, ils ont bouffé des stéroïdes. En fait, je pense que je sais pas comment j'ai fait la dernière fois, mais je l'ai fait un peu avancer comme ça. Mais je sais pas ce qui m'a touché par derrière, par contre. Mais c'était pas cool. Tant que bon, on va voir. Salut Pierre. Ouais, c'est sûrement 4 pattes pour le one. Vu que c'est un one shot, c'est d'office un one pat, ouais. Un one pat, un 4 pattes. Un four pattes. Ah, oh, mais quel con, je dois aller refaire les munitions renforcées maintenant, vu que j'ai sauvegardé avant de les avoir fait. Alors. Ok. On charge les munitions renforcées. Et on est reparti. Alors, on va reprendre les munitions de fusil. Ah, des pistolets? Ah ouais, c'était des munitions de pistolet. Salut Wasedas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le pseudo, Wasedas, c'est la voix de Speedwagon dans Jojo Abrégé. Vous pouvez commencer à l'aduler maintenant. Alors, on est parti. Alors, j'espère... C'est nudes. Ça peut s'arranger, Nyan Wall. Allez, c'est parti. Ça fait pas très longtemps là, mais si tu regardes en haut à gauche, tu peux voir que ça fait une demi-heure qu'on est en ligne. Oui, il y a de grandes chances que je meure. Allez, let's go, on fonce. Voilà, toi tu meurs. Speedwagon. Lui il va mourir aussi. J'espère. Voilà, il est mort. Lui, on va essayer de le tuer aussi. Cool. Alors, gna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 gn
Ah. Bon, allez, motivation, motivation. Non, il s'est pas divisé en deux, son 10, juste qu'il y en avait un qui était derrière lui. Bah, public ennemi, puisque tu fais le malin comme ça, je propose que tu fasses ton petit stream. Et on va venir voir comment tu t'en sors. On viendra t'encourager aussi. Alors, let's go. On va refaire cette routine à la con. Yop. Tchac. Alors, le fusil à pompe. Et on est reparti. Par la poste, elle risque pas d'arriver tout de suite, Nianwall. C'est un peu inutile. Mais merci quand même. Alors, allez. On est reparti pour le stream de la souffrance. Voilà, en fait, ça aurait dû être ça le titre. J'aurais pas dû mettre final, j'aurais dû mettre le stream de la souffrance. Oh, c'est pas bien, Céleste. Il faut que tu révises tes maths. Allez. Allez, tu révises tes maths tout de suite. Bon, allez, on va essayer de pas se faire ganker cette fois. Hop, on évite. Voilà, ça c'est bon. C'est quand même satisfaisant de popper des têtes de monstres dans ce jeu. Le bruit et visuellement, c'est très très beau d'exploser des têtes. Je ne vous encourage pas à exploser des têtes dans la vraie vie, juste pour... Ok. Ok. Alors, je vais essayer de pas rater l'enfoiré qui m'avait eu la dernière fois, là, le gars à quatre pattes, parce que c'est un peu lui qui m'a niqué. Voilà. Une fois que lui, il est mouru. J'ai rien dit. Ah, punaise. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pas de chance, pas de chance, on dit. Bah, le quick shot est pas difficile à faire sur dans cette partie du jeu là, parce qu'on est un peu dans des couloirs un peu serrés, mais... Oh seigneur, seigneur, seigneur. Comment faire? J'ai l'impression que plus j'avance, plus je me fais avoir. Facilement. Genre à mon premier essai, je suis arrivé aux deux gros pouf patapouf. Ah bordel. Je sais pas comment ça se fait que la première fois je suis passé entre les mailles du truc au calme comme ça. Mais j'étais arrivé, j'ai sûrement la chance du débutant. Merci Céleste, moi aussi j'espère que je vais y arriver. Bon, en toute logique je devrais y arriver, c'est une question de mémoriser un peu le truc. C'est un peu de la chance aussi. Alors... Je pense que c'est parce que tu es schizophrène. Alors. Bah en fait, je pense que il y a des ennemis qui pop derrière moi. Donc je pense que dès que je tue le premier à quatre pattes, je pense que je dois regarder derrière moi. Ou alors de tuer les deux qui sont devant moi assez vite pour au moins ne pas me faire avoir, quoi. Bon, allez, let's go. Allez, on y va, on va essayer de... En fait, je pense qu'il faut essayer d'y aller sans s'arrêter. Je dis bien essayer. C'est pas toujours facile parce que des fois, on rate les headshots. Des fois, on rate les headshots et c'est chiant. Mais bon, jusque-là, ça se passe bien. C'est là que ça se corse, en fait, parce qu'il y a le 4 pattes. Et le 4 pattes... Il fait chier. Parce que là, je sais qu'il est encore vivant, par exemple. Voilà. Ouais, mais là, je vais pas pouvoir passer. Hein. Je suis dans la merde. À moins que... Ouais. Ok, coup de bol. Alors, je me soigne direct. Voilà.
Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Ah, oh, je rêve, il y avait un piège. Je sais pas ce que je prends, mais... Mais ils sont méga rapides en plus, c'est quoi ce délire? Ah non, je peux rien faire, hein. Je peux même pas essayer de... d'essayer de faire une astuce de speedrun, c'est-à-dire ça. Ouais, non. J'ai même pas mis la main... J'ai même pas eu le temps, quoi. Et si je montais là? Ok, j'en ai eu un. J'en ai eu un, c'est cool. Ah merde. Je pense que si j'essaye de faire ça comme ça... Ok. J'avais pas des munitions... Ah merde. C'est vraiment la pression, ouais. Effectivement. Je trouve même plus mon flingue, bordel. Ah bah il est là. Non! Non! Non. 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 Ok. Ouh là 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 là. Ouh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai réussi. Ouh. C'est un truc de dingue. Désolé pour le manque de commentaires là, mais c'était vraiment la pression. Oh. Mon cœur bat à 150 milliards. Ok, elle est faite. On va arriver à la partie un peu finale du truc. J'espère qu'il y a un... Il me faut un point de sauvegarde ou quelque chose dans le genre, là, quand même. On va pas... C'est pas possible, là. On va pas... Si je meurs au dernier boss, je vais pas devoir recommencer ce truc. Je pense qu'on arrive à la dernière salle de sauvegarde, si mes souvenirs sont bons. Ouh, merci, 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 Seigneur. Merci Seigneur, avec une cassette en plus. Bon. Direct je sauvegarde. Y a pas à chipoter. Par contre, au niveau des ressources, on est vraiment nulle part, quoi. On a que des munitions de flingue normales. J'ai ma scie, mais je ne sais pas si la scie c'est un bon angle d'attaque pour le boss final. Bon, allez. C'est parti. Là, on attaque vraiment la fin du jeu. Le monstre qui te fume, c'est mal, voyez. Alors, est-ce que vous reconnaissez où on est? Détour de dingue, quand même, hein. Pas le temps de niaiser, tabernak, non, des nescrim. Et oui, en fait, la mine de sel était connectée à la maison depuis tout ce temps. Donc là, nous voilà. Petit flashback de ce qui s'est passé hein, quand on était en train de niaiser dans le... À l'arrière de la boutique. Bon là en fait c'est comme si on avait un peu fini le jeu parce que le boss final, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. En tout cas normal, après on va voir si on va encore nous faire des surprises. On va voir si le mode survie va nous balancer quelques surprises de dernière minute. Ben, je me demande moi-même comment j'ai fait pour survivre. C'était vraiment difficile. Ouh, les flashbacks. Quand elle m'avait balancé par-dessus la troisième corde. Oh, Evie. Alors, Evie commence à avoir des hallucinations avec Evie. Donc, Ethan hallucine Evie. Donc, ça veut dire qu'il est infecté, mesdames, messieurs. Génial. Tout est de ta faute.
Comment est-ce que tu Alors, fais? je cherche vraiment des ressources, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs, quoi. Ça m'étonnerait. Bah, en fait, j'ai 5 balles renforcées. J'ai 83 balles normales. Donc voilà, je sais pas, c'est jouable, c'est peut-être jouable. Bon, je suppose qu'ici non plus il n'y aura pas trop de ressources. Tant pis. C'est pas grave. Allez. Oui, mais tu sais, Joseph, ta sœur, depuis le début, elle voulait que je bite Mia, même quand il n'y avait aucune raison. Mais t'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. Si, Sandy avait une tronçonneuse, mais c'était par après. Elle allait la chercher après qu'elle m'enfonçait le tournevis dans la main. Alors. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Maintenant, trois lignes. J'ai déjà vu des gens. Ouh. Non, éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Et non, ça marche pas comme ça, on peut pas se faire tuer par un hologramme. Oui, donc je disais, trois lignes BDM, le boss final peut te tuer. Genre, si tu lui tires pas dessus, c'est un peu à la Resident Evil 2. Si tu le laisses s'approcher, bah elle te bouffe. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais... Ah si, je dois monter en haut. Alors, let's go. Raté. Ouais, la voilà, la petite conne. Ouais, bah là on est vraiment parti. Hein. Là on va enchaîner le boss final. Insufflez-moi votre puissance. Par le pouvoir du crâne ancestral. Bon allez, on est parti. Bon, là voilà, elle nous balance ses vagues d'énergie. Elle s'est crue dans Dragon Ball. Aïe. Bah merde. Ok, c'est vachement différent par rapport. Je suis vraiment mort direct. C'est vraiment, vraiment plus. Le timing est différent en fait. Le timing est vraiment différent que dans le mode normal, mais c'est pas grave. Il faut juste se protéger. Plus... Vous voyez, c'est un peu un Fushroda, ouais, c'est vrai. Ouais, elle allait se transformer en Super Saiyan. Ah, mais c'est cool! Cool le point de checkpoint. Shit! Voilà, bon, allez, on fonce. Voilà, en fait, dès qu'elle met sa main... Ah, tu vas enfin goûter pour tous les gens que t'as fait souffrir. Voilà, mesdames, messieurs, notre héros qui fait des piqûres aux enfants. Ethan Winters. C'était mamie Irina depuis le début. Tout est lié. Et ce n'est même pas sa forme finale! Ça fait mal! Ça fait mal! Ça fait mal! Voyons ça! Voyons ton sang! Merci, Trolling. Et voilà, on est parti, super! Alors, on va essayer de pas mourir.
Alors bon, plus de munitions renforcées. On est obligé d'y aller au pistolet normal. Allez. On va peut-être voir. C'est peut-être la première fois que je vais mourir à ce boss. C'est pas impossible. Parce que je me suis jamais fait avoir par ce boss, mais peut-être que là, ça va se faire. Oh punaise. Ah ouais, totalement. Ah bah voilà, tu as ta réponse, trois lignes. On peut se faire tuer par ce boss. Alors, je sais pas comment on va faire. Parce que je lui ai quand même balancé toutes mes munitions renforcées. Donc je sais pas. Est-ce que je me suis fait manger, ouais. Je me suis fait bouffer. Est-ce que je me rapproche de Mamie Arina avec la scie et que j'essaie de la choper avec la scie? Je pense qu'on n'a pas tellement le choix, en fait. Allez, alors. Tant pis, on va y aller à la scie. Hein. Mais je pense qu'on va quand même devoir recommencer à se transformer en Super Saiyan. Mais j'ai pas vu monsieur Maquet, qu'est-ce qu'il a dit comme conseil? Ah non, ça va, on recommence au truc. Ok, c'est cool. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste? Bon, allez, let's go. Oui, elle vomit du pétrole, etc., etc., et bref. Oui, mais tant mieux que ça te fasse mal. Tu le mérites. Alors, ouais, bon. Oh, allez, on y va. Magne. Hop. Bon, moi, comme ça, je suis sûr de pas la rater. Déjà fini. Ah ouais, non, même si, quand je m'approche d'elle, elle me bouffe direct, donc ça va pas être possible non plus. Je sais pas comment je vais faire. Mais en fait, je peux gérer les objets. Je vais gérer mes objets quand même. Je vais gérer mes objets avant de... J'ai jamais fait ça. Je sais pas comment... Mais peut-être gérer les objets, ça va me renvoyer à la dernière sauvegarde. Je pense. Parce que là, ça va pas être possible. Il me faut quelque chose. Et je me souviens que j'avais plein de combustible pour le lance-flamme. Donc peut-être essayer ça. Ou au moins changer de flingue. Parce que le halberd, c'est bien pour les munitions renforcées. Mais voilà. À côté de ça, il faut que je recharge toutes les 3 balles. Donc ça va pas le faire. Et si je me souviens bien, j'avais pris le flingue renforcé, le G17. Ah bah non, le pistolet M19. Le M19, j'ai plus de 30 balles, donc. Enfin, j'ai plus de 80 balles même. Et par sûreté, je vais prendre le lance-flamme que je vais mettre à la place du lance-grenade, vu qu'on en a plus besoin. Et je pense que j'ai plein de combustible, en effet. Bon! Allez, normalement, cette fois, ça devrait le faire. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas pris qui pourraient me servir? Couteau, pistolet, munitions de pistolet, c'est bon, j'en ai assez. Mitrailleuse, supplément pour un canon. Non. Bon, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Bon, on va retenter. Mais elle a l'air d'avoir vraiment beaucoup beaucoup de vie, donc voilà. On va voir ce qu'on peut faire. Au pire là, normalement, on devrait avoir assez, je veux dire, avec le lance-flamme. Je sais pas si le lance-flamme lui fait quelque chose. Je sais pas du tout. Donc on va voir. Merci Nianwall. J'arrive pas à croire que ça va faire bientôt une heure qu'on joue et que... On a presque pas avancé. Bon, cela dit, ça va être presque la fin du jeu. Ça aura été un stream relativement court. Alors. Allez.
Bon, on recule au fond de la salle, on lui tire dessus. À fond la caisse. Allez, 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 j'espère qu'il y a moyen. Je sais pas s'il faut lui... Ah, voilà, c'est bon, elle est faite, elle est faite, elle est faite. Là, on arrive vraiment à la partie finale. Je n'ai aucune idée si on peut mourir dans cette partie. Je pense que c'est aussi possible de mourir dans cette partie. On va essayer de pas se faire avoir. Bon, des hélicos arrivent. Elle va quand même encore me coller au cul. Avec le petit flingue de la mort. Mais ça va, il est utile, il est utile. Oui, je ne suis qu'un petit garçon, ma Myrina. Ne me fais pas de mal. Aïe, 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 ça fait mal. Allez, 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 allez. Ok, on se fait embrocher la jambe. Oh là là. Non, j'aimerais bien éviter d'essayer toutes les morts, en fait. Surtout là, parce que j'ai pas envie de recommencer le truc. Aïe. Aïe. Oui, je sais que tu voulais une famille, mais... je veux pas être de ta famille. Allez, laisse-moi tomber. Oh. Ouh, ça doit faire mal. Bon, là, normalement, on est presque à la fin. Je pense qu'il y a moyen, là. On n'a plus qu'à récupérer l'Albert magique. Allez, 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 allez. L'Albert magique, et puis... Oui, utilise ça. Moment flashback des Resident Evil. Allez, allez, allez. Ramasse-le. Ramasse-le plus vite. Ok, on l'a. C'est l'heure d'aller au lit. Ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que tu veux te la jouer. Et mesdames, messieurs, nous avons terminé le mode survie de Resident Evil 7. C'est un moment historique. Une minute de silence pour Mamie Irina. Faut être communiste. Et c'est fini, je pose ma putain de manette. Merci tout le monde. Voilà le trophée qui pop. Et elle est faite. Mon nom est Redfield. Content de vous avoir trouvé. Pourquoi vous avez mis tout ce temps ? Ethan ? Désolé pour Mia. Tous ceux qui détestent Mia. Tu es vivante. On a réussi. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Je pleure, putain. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyn, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyn n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro, qu'on tire un trait sur tout ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. Pa 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 pa
Et voilà, elle est faite. Alors, maintenant que vous avez vu la fin, plusieurs trucs. Je ne crois pas une seule seconde qu'il s'agit de Chris Redfield. Salut Joseph. Et je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse s'agir de Chris Redfield. Alors, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1. Le gaffe est trop jeune. Chris, il a la quarantaine dans Resident Evil 6. Et là, il doit être encore plus vieux que dans Resident Evil 6. Et le gars fait pas du tout une quarantaine d'années. Deuxième chose, il y a bientôt le nouveau film en CGI Resident Evil qui va sortir. Et Chris a la même apparence que dans Resident Evil 6. Et pas celle que le gars qui se dit être Chris a ici. Donc d'office, ça peut pas être Chris. Troisième chose, ils sont tous à bord d'hélicoptère avec Umbrella écrit dessus. Alors, ça m'étonnerait que Chris travaille pour Umbrella, mais la grosse question qui se pose encore à côté de ça, c'est what the fuck Umbrella qui a été démantelé depuis 1998. C'est quoi ce bordel? Voilà, donc plusieurs questions qui restent en suspens, mais c'est sûrement pas Chris Redfield. Sûrement pas Chris Redfield. Oui, Ecostou, dans les crédits, il y a écrit Chris Redfield, mais en même temps, si Capcom veut nous faire croire qu'il s'agit de Chris Redfield, ils ne vont pas écrire autre chose dans les crédits. Moi, je pense qu'il s'agit soit de quelqu'un qui veut se faire passer pour Chris, soit quelque chose dans le genre. Ça peut pas être Chris. Ça m'étonnerait. Et une autre chose qui me fait bizarre, c'est que Ethan n'a pas l'air surpris que des gens... débarque avec des hélicoptères Umbrella. Il y a plusieurs théories que j'ai lues sur le net qui disent que Ethan travaillerait peut-être pour une branche d'Umbrella en fait, parce qu'on ne sait rien sur Ethan finalement. On sait juste que Mia travaillait pour une association, pour une compagnie qui travaille aussi avec des armes biologiques, mais laquelle, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Donc voilà, il y en a qui disent que ça peut être un clone de Chris, c'est possible. Mais bon, quand bien même, il devrait ressembler plus que ça à Chris, je sais pas. On verra. En tout cas, il y a un DLC gratuit qui est prévu pour dans pas longtemps, je pense. Je pense que je le jouerai sûrement en stream aussi, pour découvrir la vérité. Et ça va être sur ce personnage qui dit être Chris Redfield. J'y crois pas une seconde. D'autant plus qu'ils étaient même pas en uniforme du BSA, donc voilà. Oui, il y en a qui pensent aussi qu'il puisse s'agir de genre d'un membre de la famille de Redfield, genre éloigné, quoi. Mais en tout cas, je sais pas, si c'est son fils, le gars a l'air d'avoir le début de la trentaine, il a pas la vingtaine, c'est sûr. Donc et même si Chris... Même s'il a la vingtaine, ça veut dire que Chris aurait dû l'avoir quand lui, il avait la vingtaine, on l'aurait su qu'il avait un fils. C'est ça, trois lignes. Dans 4 mois, il y a Nota Hero qui sort, donc le DLC gratuit où on va jouer avec ce personnage. Donc voilà. On va bien voir si on découvre la vérité là-dessus. Et est-ce que vous avez aussi remarqué qu'on n'a plus revu Lucas, hein? Donc il y en a qui disent aussi qu'à mon avis, on va voir quelle fin Lucas va faire dans ce DLC. J'aimerais bien en tout cas, parce que j'ai pas envie que Lucas devienne genre un personnage récurrent. Il était bien dans ce contexte-là, dans le contexte du Resident Evil 7. Mais je le vois mal dans un autre Resident Evil futur. Donc voilà, j'espère qu'il va mourir dans... Mais peut-être aussi du côté Claire, mais bon, Claire est encore plus jeune que Chris, donc on l'aurait quand même su si elle avait eu un fils. Je sais pas. On le découvrira, je pense, dans le DLC. En tout cas, je pense qu'on aura quelques réponses dans le DLC. Sinon, c'est de l'arnaque. Sinon, on fait la grève, on fait des manifs, voilà. Je compte sur vous. Et j'ai vu tout à l'heure, Sandy, que tu disais que le boss t'avait un peu déçu. C'est vrai qu'ils auraient pu faire plus difficile comme boss final. J'ai l'impression que ça a été un peu expédié par rapport au... Je suppose que ça a été un peu expédié à cause des délais. Ou peut-être du coût de la chose aussi. Hein, parce que, honnêtement, une semaine après la sortie de Resident Evil 7, il y a eu les DLC. Une semaine après. Ça veut dire qu'ils étaient déjà prêts à la sortie du jeu. Et à mon avis, voilà, ils ont décidé de couper ça du jeu principal pour en faire des DLC payants. Quoi. Mais à mon avis, les DLC faisaient partie intégrante du jeu de base. C'était genre des cassettes en plus.
Ça, c'est une grande spécialité chez Capcom, hein, de faire payer pour des DLC déjà tout fait. Mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay, c'était pas le boss le plus passionnant, quoi. Mais en général, je trouve que les boss dans les Resident Evil, c'est un peu des zones d'ombre. Dans Resident Evil, on a toujours eu un peu de mal avec le concept de boss. Une grosse tête avec des tentacules, oui, c'est vrai que ils auraient pu faire plus créatif, je suis d'accord. Là, je me souviens plus de la tête de Carla à la fin du jeu, mais c'est fort probable, ouais. Ouais, mais normalement, Sandy, faut que tu les endommages un bon coup avant d'avoir le lance-roquettes qui arrive. Ah, Monsieur Chucky, tu peux attendre. Hein. Mais je pense que le Resident Evil 7 a eu une très bonne réception, critiquement parlant. Il y a beaucoup de copies qui se sont écoulées. Et à mon avis, connaissant Capcom, ils vont faire une réédition du jeu avec tous les DLC inclus qui va aussi très bien se vendre. Donc voilà. Alors, Crix, salut. L'écriture de l'épisode 8 avance très très bien en ce moment. On est plus ou moins à la moitié. Donc, à mon avis, bientôt on aura fini l'écriture et puis on pourra commencer tout ce qui est doublage, mixage, les musiques et les effets spéciaux. Voilà, on aimerait bien, avec Simon Thierry, reprendre un rythme d'un épisode tous les 2 mois comme avant. Maintenant, voilà, à chaque fois, il y a des trucs d'IRL, qui se mettent entre notre chemin. Mais voilà, on va essayer de le sortir le plus vite possible tout en conservant la qualité qu'on aime avoir en tout cas, parce que voilà, si on n'est pas satisfait de notre truc, on va pas le mettre en ligne. Salut Ice Millénaire, merci d'être passé. 8, l'épisode 8. De toute façon, gamer, on fait pas vraiment de promesses, hein. Il sortira quand il sortira. Voilà, maintenant dans l'idéal, voilà, on vise une sortie tous les 2 mois, quoi. Merci Dorian, c'est gentil et je sais pas quand est-ce qu'on refera des. Quand est-ce que je vais refaire des lives. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais ici, voilà, c'était le kiff du moment. C'était Resident Evil 7. Et puis voilà. On verra bien. Je vais en profiter pour siroter mon eau citron. Bon voilà, finalement, ça aurait été un stream plutôt court. Je comptais 2 heures, hein, mais ça va, finalement, je me suis débrouillé mieux que prévu. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi. Slurp qu'elle me dit. Bah ouais, je vais enfin pouvoir aller me faire monter. Hello. Ah, vous pouvez entendre Albert Wesker qui fait un solo de guitare. Bah écoute, Crix, je pense que je vais. Je sais pas. Mais je pense que là, en ayant fini le jeu en survie, je vais débloquer les munitions infinies. Du coup, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de recommencer une partie pour ça? Bof, quoi. Je pense que on va terminer le stream ici. Et on verra après pour un prochain stream sur un autre jeu. À l'occasion. Salut Céléa, oui t'arrives vraiment au bon moment, oui. Bienvenue au stream de la souffrance qui vient de finir. Et hey, gamer, il n'y a pas vraiment un message de Célot, mais il y a un truc que les gens commencent pas encore. Bah hello, le mode munitions illimité, ça va juste me servir à me faire le trophée platine. Je compte faire...
Je compte faire le trophée de platine, donc voilà, je pense que ça va m'être utile à ça. Bah écoute, Crix, je suis déjà à la limite de gens en amis sur le PSN. Donc voilà, pour l'instant, je préfère pas trop. Voilà, mais si jamais un de ces quatre, avec Simon, on décide de faire genre un spécial versus avec les abonnés, bah pourquoi pas, on va peut-être accepter des invitations, ou en tout cas faire des combats. Voilà, c'est pas encore sûr parce que bon, faut aussi que j'ai le courage de sortir 50 € pour m'acheter le PS Plus. Donc on verra. On verra à l'occasion. Ouais, c'est ça, trois lignes BDM, le DLC, ouais, les cassettes manquantes. On n'a pas vraiment vu le visage d'Ethan, mais dans le flashback, on l'a un peu vu de loin. Sans plus. Bah, c'est pas grave, c'est là, tu pourras regarder le replay, hein. De toute façon, c'est pas, ça n'a pas été un stream très long, quoi. À peine une heure. Bah là, on arrive seulement à 1h08. Je vais laisser quand même je vais vous laisser la bande-annonce de notre Hiro. Parce que c'est assez badass. Un applaudissement pour Tsutomu Masuda, Masashi Kakawata, Tsuyoshi Kanda. Et vous? Et reposez en pepperoni les Baker. Alors, bah cool, on va pouvoir voir nos statistiques. Bah merci à 3 lignes BDM d'avoir été toujours là. Merci tout le monde. Alors, donc, on a joué en survie. Alors, en tout, on a fait presque 8 heures de stream. On a recommencé 33 fois. Waouh! Bon, ça, c'est des statistiques qui sont partagées dans toutes les parties. Alors on a quand même trouvé 20 pièces sur 33. J'étais pas loin de débloquer le trophée numismate. On a trouvé 14 fichiers. Bon, ça c'est parce qu'on les a pas tous lus non plus. Alors, on a accédé au coffre 62 fois. Ça m'étonne pas. 33 objets de soins utilisés. On a utilisé un stabilisateur, 3 stéroïdes. Alors qu'on se faisait one shot, c'est dingue quand même. Salut Mixi, t'arrives vraiment pile poil à la fin du jeu. Alors, objets, munitions illimitées, mais oui, à récupérer dans le coffre, blablabla. Cool. Contenu additionnel gratuit, Not Hero, printemps 2017. Regardez-moi cette tête et osez me dire qu'il s'agit de Chris Redfield. J'y crois pas une seule seconde. Bon, voilà. Alors, elle est faite. Alors, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Je m'attendais pas à avoir autant de gens sur les streams. Ça a été vraiment cool de partager ça avec vous. C'était deux fois plus fun pour moi parce que bah, voilà, j'avais vos réactions en direct à côté. Voilà, je me suis senti moins seul dans ce mode survie finalement. Et voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et je vous dis à relativement bientôt pour un autre stream. Et salut tout le monde!